petit jus d'orange pour commencer la journée. Ça va être bon. Aujourd'hui, j'ai dîné un wrap jambon, fromage, tomate laitue. Fait qu'on va fermer tout ça et on va manger. Non, on se relâche pas trop vite. Dans les 10 heures qu'on a placé en janvier. Fait qu'on est en semi. Qui joue? Damien qui joue? On va dire. Lala. Where's Nate? Bébé qui est là. Une muffin. Muffin qui est là aussi. Là. Qu'est-ce que tu as un allié? Imagine la salle. On peut? Imagine la salle. Oui. Fait que toutes les devants, il y a des faits comme tu vois. Check ton écran. Tu vois mon écran? Okay. Hello. Hello. Voilà notre station de repos. On a un petit bébé qui vient de se réveiller d'une grosse sieste. Il joue avec ses petits jeux. Baby. C'est cute! Bébé d'amour! Allô! Bon, tout le monde, désolé pour mon apparence, mais aujourd'hui, c'est journée mou. Mais je vais vous annoncer, c'est le temps d'un nouveau concours! Donc, j'ai ici le prix au complet que vous allez gagner. Donc, ça me fait super plaisir de collaborer avec les produits de Maya pour vous offrir ce concours. Donc, les produits de Maya, en fait, c'est des produits qui sont faits au Québec, ici. Donc, moi, j'adore encourager les produits d'ici. Et c'est les produits que j'utilise pour Jaden. Donc, vous savez, si vous avez écouté ma vidéo sur les couches lavables, que... Jaden, il me fixe. Que les produits de Maya, c'est ce que j'utilise. Puis, pour de vrai, j'ai essayé, ben, dans le fond, leur liniment. Ils ont plusieurs sortes de liniments. Là, celui que j'utilise en ce moment, il est presque fini, là. Ça a duré longtemps parce que j'utilise depuis le début. C'est le karité. Mais ils ont, supposons, coco karité. Ils auront leur régulier et tout, là. Donc, ils se vendent vraiment à plein de places. Puis moi, je les adore. C'est ce que j'utilise pour Jaden. Puis jamais les fesses rouges. Genre, jamais. Fait que j'aime vraiment ça. Alors là, ici, je vais vous insérer une photo du lot que vous allez gagner. Puis je vais en mettre une aussi sur Instagram. Et ce que vous allez gagner, ça c'est une bouteille que j'ai, c'est 180 ml. Fait que vous allez gagner une bouteille de 180 ml de liniment classique hypoallergénique, une bouteille de 180 ml du liniment coco et karité et un 60 ml du liniment coco. Donc vous avez, c'est ça, différentes versions. Fait que vous gagnez les trois versions ici. Vous allez avoir une pompe comme ça. Pour, qui est faite dans le fond pour les bouteilles de 180 ml. Donc vous pouvez l'enlever. Puis juste pour vous dire, dans le fond, ce qui est vraiment le fun, c'est que vous pouvez les remplir en boutique. Donc, c'est vraiment, vraiment super. Fait que vous allez avoir ça, la documentation complète en fait, qui explique qu'est-ce que vous pouvez faire avec les liniments. Parce que vous pouvez aussi vous démaquiller avec ça. Donc c'est tout le monde peut participer au concours. Là. Puis... Ça dit que la bouteille comme ça est pratique pour la table à ranger ou dans la salle de bain. Donc moi, c'est justement, je vous montre elle parce que c'est elle qui est dans sa sur sur sa table à ranger. C'est une valeur totale de ce lot pour approximativement 30$ plus taxes, approximativement, parce que dans le fond c'est le produit le montant que eux suggèrent, mais les boutiques, enfin, ça se trouve dans beaucoup de boutiques, ils peuvent comme décider des fois ça peut être jusqu'à comme 36 là, exemple. Donc regardez là, il est trop cute, il joue avec le cadeau de sa grand-maman. Alors voilà, donc moi pourquoi je les aime en fait là, les liniments, c'est que vous pouvez les utiliser avec les couches lavables, c'est compatible, parce que faut que vous sachiez que si vous voulez utiliser les couches lavables, c'est vraiment pas suggéré d'utiliser comme des crèmes, tu sais, plus régulières là, avec du zinc et des trucs comme ça. Parce que c'est pas bon pour les couches lavables. Et ça, dans le fond, vous pouvez les utiliser avec des lingettes lavables aussi. Donc, c'est vraiment super. Moi, je les aime beaucoup. Alors, pour gagner ce lot, je vais encore piger dans les commentaires une personne au hasard. Donc, juste commentez, vous, comme ça serait pour qui ce lot? Parce que ça peut être comme pour votre bébé ou vous pourriez l'offrir à votre neveu ou quoi que ce soit. Fait que juste commentez en commentaire pour qui serait le lot
de Linima. Donc voilà, c'était le concours d'aujourd'hui. Et éventuellement, la semaine prochaine, il va y avoir un autre concours. Et ça va être une couche lavable que je vais vous faire tirer. Donc c'est ça. J'espère que vous aimez ça. Là, regardez mon petit bébé. Je vous lance son tipi. Il est trop cute. Donc, on a eu une dure nuit, là. Comme je pense que ça fait 3 jours qu'il se réveille, genre, à chaque heure. Mais j'ai comme vraiment l'impression, là, que c'est pas comme quand il se réveillait avant. C'est normalement, comme il se réveille, c'est pas en criant comme ça. Là, il crie, genre, on dirait que c'est comme de l'angoisse. Fait que j'ai vraiment l'impression que c'est comme un... J'avais vu ça, là, qu'il y avait cette étape-là, genre, mais, l'angoisse de la séparation, là. J'ai vraiment l'impression que c'est ça parce que c'est vraiment, on dirait un cri d'angoisse, là, quand il se réveille la nuit. Fait qu'il se réveille à chaque heure, cette nuit. Puis, c'est ça, c'était, j'ai pas beaucoup dormi. Et oui, j'ai pas beaucoup dormi. Donc, ouais. Ah, oh, Jaden, tu m'as pas fait beaucoup dormir cette nuit. Il rit. En tout cas, fait que là, il est présentement 3h, et puis il a fait une grosse sieste. Mais tu sais, justement, il est fatigué parce que la nuit, il se réveille plein de fois, là, maintenant. Eh oui! Gardez la face de Tana. Gardez la face de Tana. Ouais, Tana. Il aime beaucoup parce qu'il peut faire tourner les choses. Ouais. Tana! Allô, le Tana! Journée pyjama aujourd'hui aussi? Ouais. J'ai oublié de vous montrer. Regardez, c'était les bacs que j'avais achetés. Oh, pour d'autres choses du lavage. Je pense que je vais partir ça. Les bacs que j'avais achetés, je les aime pas parce qu'ils se glissent. Ils ont des roulettes. Au Canadian Tire. Fait que ça, j'ai rempli ça de vêtements newborn à 6 mois. Ben, comme le 3-6 mois, mettons. Là-dedans, j'ai mis du 6 mois. C'est ça. Fait que voilà. Voilà, bébé. Tu grandis. Oui. Hop. Hein? C'est vraiment le fun, ça. Mais tu sais, ça va être pratique pour, mettons, apprendre à compter tout ça, là, mais... Ouais. Mais pour l'instant, il aime ça, jouer avec les petites boules, là. Eh oui. On a Jaden qui joue avec sa cuillère. On a un Anthony qui joue avec Damien. Et un muffin aussi qui joue. Regardez le divan. C'est vraiment le bordel. De ce côté-ci. De l'autre côté. Oups! Bon, tout le monde, je voulais vous partager le menu du grand-père Anthony qui va faire pour Noël parce que ça a l'air vraiment bon puis j'ai hâte. Ok, regardez ça. Il a tout écrit genre le menu sur un événement Facebook. Là. Fait que ça, c'est le 25. Parce que le 24, on fait ici. Puis ça, c'est tout des déchets. Ok, il est écrit punch au champagne et à la framboise, brie à l'érable, au pacan, fromage et biscotte, pizza froide, potage aux carottes, parfumé à l'orange et au gingembre, salade du jardin, miel et menthe, plat de penne al forno, sauce à la viande légèrement gratinée, dinde saumurée avec farce aux 3 viandes, petits pois, canneberge maison et patates, 3 gâteaux, vanille, chocolat, shortcake aux fraises, il y a une option végétarienne. Grignotine et petit chocolat dans la soirée pour accompagner les jeux. Oh, ça fait de la lumière. Ça a l'air vraiment bon. C'est tellement énorme, là. Chaque année, leur repas de Noël, là, c'est juste fou, là. Genre, moi, à Noël, tu sais, c'est pas un... C'est un des services comme ça, tu sais, c'est plein de choses, puis tout le monde se sert, genre, sauf la dinde, mettons. Ouais, c'était le buffet. Mais lui, c'est vraiment genre un repas à la table et tout. Genre, tout est super bien décoré, là. J'ai hâte. Bon, fait que là, je vais ranger cette vaisselle. Puis faire ce qu'il y a, là. Ouais, il y a une toile d'araignée. Yark. Un bébé qui s'amuse. Allô?
Attention, elle a pas tombé. Attention! Regardez-le. Ok, j'ai fait mon activité préférée. Non, vraiment pas. Plier les couches lavables, puis regardez, ça c'est la photo qu'on a... La couche avec laquelle qu'on a fait des photos avec la photographe, là. C'est la couche de Noël. Fait qu'elle est carottée en avant. Puis comme ça en arrière, elle est tellement cute. Alors voici la compagnie. Puis je vous donne un indice pour le prochain concours. Ouais. Mais ça, c'est celle de Jaden. Donc, en même temps, je vais écouter le vlog de Fanny. J'ai passé la balayeuse, mais il me reste le salon à passer. Allô, Jaden, le contorsionniste. Allô, Jaden. Coucou! Allô, mon chat. Jaden! Est-ce que je vais avoir le temps de plier les couches? Ou tu veux que maman reste avec toi? Il appelle son papa! On a voulu ramasser un caca. Il est gelé. Le caca gelé. Je viens d'avoir les photos, ben dans le fond, la galerie de photos qu'on a pris les photos de Jaden. Mais c'est ça, dans le fond, là, ça c'est les photos comme aucunement modifiées, là, comme elle dit. Fait que je dois choisir les photos. Oh, merci! Regardez l'assiette, ça a l'air bon. C'est du porc, des légumes et du riz, au poulet. Sur le barbecue. Fait que vous saviez qu'il y avait full pleuré puis que c'est dur, là, mais en fin de compte, il y a plein de photos que j'aime trop, là. Ah mon dieu, regardez comment il a l'air coquin là-dessus. Mais c'est ça, c'est les photos comme pas modifiées. Oh, merci! Ça va être dur à choisir. Puis, c'est ça. Fait que je dois en choisir 5. Comme qu'elle va modifier. Puis je peux en prendre plus aussi, là. Oh mon dieu! Comme ça avec moi, là. Regardez-le! Oh, regardez sa face de coquin! Oh, je sais pas quelle je vais prendre. Sont toutes belles. Regardez-le, sa face de tannant. Il est trop cute! Bébé d'amour, il y en a en plus de lui. Oh my god, ça a l'air bon. Bon, je vais vraiment avoir été tout croche aujourd'hui, hier, même dans mon vlog, mais bon, c'est pas grave. C'est la vie. Là, Jaden vient de se réveiller de sa dernière sieste de la journée. Il est comme 7h. C'est dans le fond, là, on aurait pu... Ben, il était fatigué, mais on aurait pu comme sauter cette sieste-là puis qu'il se couche comme plus tôt. Mais ça nous convient. Comme il va se coucher genre à 9h30 puis il va être correct. Fait que ça nous convient ces heures-là. Là. Alors, il vient de se réveiller. Anthony a été porté son frère, là, il m'a dit qu'il était déjà arrivé. Allô, le coquin! Bon, donc ça, c'est tout des vêtements propres. Là, je viens de voir qu'il y a un bas dans sa bouche, mais c'est... Il est pris dans la pile de vêtements propres. J'ai emporté ça ici. Comme ça, tu sais, il peut jouer. Pendant que moi, je sers les vêtements. Puis, ce que je vous avais montré ici, les décos de Noël, j'ai juste un petit rein. Et ceci. Petit sapin. Alors, je suis contente dans sa sieste. Dans le fond, j'ai édité tout le vlog, là, comme d'aujourd'hui. Il me restera juste à rajouter ces parties-là. Puis j'ai écouté d'autres vlogs. C'est vraiment relax aujourd'hui. Puis là ici, vous pouvez voir, j'ai ma planche. Ben ma planche. Ma tablette. Dans le fond, elle va être sur... Vous voyez ici, j'ai un mur en ongle. Ça paraît tacheté, mais c'est à cause de ma lumière. En tout cas. Fait que il va être ici, ma tablette qu'on a achetée au Ikea. Puis là, j'ai regardé, dans le fond, pour les photos que je vais faire développer. Mais je pense que je vais en développer une en premier. Pour mon mur là, de cadre, je vais en développer une en premier parce que c'est genre 7$ chaque. Fait que je veux juste comme être sûre que c'est bien. Puis après, je commanderai les autres parce que je veux être sûre de mes... Comme, qu'est-ce que j'ai en tête avant d'en commander genre 6 à 7 piastres, là, vous comprenez? Alors, ça va être génial! Ok, c'est ça. Là, je vais ranger les vêtements puis on va sûrement écouter genre un film, quelque chose. Là. Ouais. C'est qui est filmé, arrête!
Il était crampé avec le petit papier de Tim Hortons. C'est beau. Regardez, j'ai trois lumières qui ont lâché. Une, deux, trois. Donc, ça a l'air appétissant, le repas à Jaden. Donc, la même chose qu'hier, là, c'est de la dinde hachée, mangue, coriandre d'oignon. On y a fait des légumes, j'en ai juste mis un petit peu parce que... Chou-fleur, brocoli, carotte. Ouais, chou-fleur, brocoli, carotte, puis de la poire comme... Poire asiatique. Pour compléter, ouais, poire asiatique, parce que il va plus aimer ça, fait que je donne à la fin. Regardez ma fille, le pug fou. Reviens-tu? Elle est ici. Allô, ma fille. Tu fais ton sprint? Ton sprint de la journée? Ton sprint? Mais oui, nounoun. Allô, le bébé. Qu'est-ce que tu viens de goûter? Tu viens de goûter à du beurre de pinotes. Ça nous tente de l'essayer, là, voir s'il est allergique et aucune réaction de sa part. C'est exactement celle de ma mère. Ouais. Alors, yay, pas allergique! Bon, je voulais vous dire bonne nuit tout le monde! Je capote un peu parce que j'ai des choses. Mais on s'en va se coucher. Je capote un peu parce que je me dis que dans une semaine exactement, le lendemain, genre le lundi, parce qu'on est dimanche, je commence à travailler. Ça va vite. J'arrive pas à croire. Fait que c'est ça, bonne nuit tout le monde. Jaden n'est pas sûr du mélange. Regardez sa face quand on lui donne. Mais il y a d'autres choses que j'avais même pas accepté. Ouais.